Au passage du cyclone dans la région, et donc hier, après qu'il finisse tout l'avertissement, un officier du ministère vient faire un survey préliminaire pour faire un constat de la situation pour détecter les dégâts causés à tout légumes. Première estimation qu'il va recevoir hier après-midi, il démontrait un taux de dégâts causés de l'ordre de 15 à 25% dans différentes régions de l'île. Alors, mais seulement, c'est un rapport préliminaire dans le sens qui nous vient aussi d'indiquer dans les jours qui suivent ça, comment le temps peut être. Mais définitivement, les légumes fins finissent affectés. Alors, d'après l'information qui m'a gagné, dans les jours qui viennent, là, pas pour un gros manque sur le marché. Mais nous poursuivons, bien sûr, comment les choses évoluent et. Bien sûr, nous là pour assurer qu'il n'y ait aucun manque sur le marché. Il faut bien aussi dire qu'au niveau de la canne, la pluie est très bénéfique. Nous prétendons en pluviométrie. Donc la pluie qui nous finit gagner ces derniers jours, donc il est bénéfique pour la canne. Et donc nous espérons que ça pourrait permettre la canne continuer sa croissance. Si effectivement il y a un manque sur le marché, si il y a, bien sûr, comme d'habitude, comme on finit dans le passé, quand finalement mal manque sur le marché local, nous gagnons recours à l'importation, mais nous pouvons agir par rapport à tout ça. Au niveau du Small Farmers Welfare Fund, il y a un plan d'assurance qui couvert man planté, qui assuré avec qui dans ce plan-là gagne une compensation. D'ailleurs, on vient de dire le taux de compensation finit doublé l'année dernière quand il présente le budget. Bien sûr, il y a une méthode pour vérifier le taux de dégâts pour qu'on compense. Donc ça l'est déjà là. Et bien sûr, nous pouvons considérer aussi les autres moyens de support qui nous ont, autres que financiers, pour venir en aide à un planteur là où le besoin se fait sentir.